Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de nous retrouver encore dans cet espace pour vous assister, pour vous encourager et pour commencer ce programme d'entraînement, si vous voulez, de prière. Mercredi de guerre. Mercredi de guerre, son espace côté nous unis pour que nous capables de recevoir entraînement, enseignement sur la guerre spirituelle et aussi engager dans les pratiques de guerre spirituelle. L'objectif, c'est que par la prière et les disciplines, nous capables en mesure pour nous combattre dans la prière, pour nous combattre avec les disciplines spirituelles, pour faire avancer le royaume de Dieu et l'agenda de Dieu sur la terre et dans nos vies. Donc, moi, content en pile que vous êtes en prison et c'est un moment intense que la vie est parfois et moi, prier que moi, ça capable pour chacun de nous un moment spécial dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, à tous nos amis, à nos frères et sœurs qui étant là, qui étant préparés, qui étant disposés, nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Nous prenons grand plaisir à vous saluer dans le nom de Christ Jésus et à vous souhaiter la bienvenue à cette première ou plutôt nouvelle édition de Mercredi de guerre. Ma bonne courage, vous capable de nous position pour ça et nous allons prier pour que nous capables de commencer ensemble notre temps de prière. En bicitette pour nous prier. Remercie sois-tu, éternel, notre Seigneur et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de faveur et grâce qu'on accorde nous de nous retrouver dans ta présence. Merci de ce que tu es le Dieu qui ne trahit pas, tu es le Dieu qui ne nous laisse pas. Tu viens nous rencontrer dans nos situations difficiles et compliquées pour nous enseigner des choses, nous montrer la voie et nous préparer à ce que tu nous appelles, à l'appel qui est sur nos vies. Nous te remercions de jeûner, faire nous passer en bien. À qui malheur nous t'es exposé pendant le jeûne, à qui danger, mais en grâce nous t'es protégé, nous t'es gardé, nous et nous avons possibilité pour être capable de venir en présence, soit souhaiter que ton nom et ton nom seulement soit béni. Demandez pour être capable ensemble avec nous, pour être capable de prendre soin de nous, permettre que ce moment que nous allons passer avec nos frères et sœurs, capable de moment puissant à la gloire de ton nom, que le nom de Dieu dans nos vies capable de glorifier. Prends contrôle la vie, nous, pour la vie de Seigneur Jésus, nous voulons consacrer le baou, fais-nous grâce pour nous capables de passer un bon ensemble, car nous t'avons ainsi prié avec le pardon de nos péchés, dans le nom de Christ Jésus, qui vit et demeure avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous allons chanter debout pour la sainte guerre. Le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant. Notre chef est puissant, nos armes sont la prière, l'amour persévère. 529, on commence avec numéro 529. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre,
soyons unis et forts, qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt-nous tous en Christ des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout volontaire pour les saints combats de la sainte guerre, marche et ne crains pas, numéro 530. Debout volontaire pour les saints combats de la sainte guerre, marche et ne crains pas. Jésus-Christ t'engage à lutter pour lui, rempli de courage par des aujourd'hui. En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. Partout sur la terre règne l'ennemi, contre lui mon frère combat sans merci. Et pour la victoire sois fort et vaillant, pour le roi de gloire courage en avant. En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. Pour le ciel en route, soldat de la croix, de ton maître écoute sans cesse la voix. Si l'orage gronde, il te gardera. Si l'épreuve abonde, il te soutiendra. En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route encore. Debout volontaire pour les saints combats de la sainte guerre, marche et ne crains pas. Jésus-Christ t'engage à lutter pour lui, rempli de courage par des aujourd'hui. En route pour les saints combats, en route, par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. Partout sur la terre règne l'ennemi, contre lui mon frère combat sans merci. Et pour la victoire, sois fort et vaillant, pour le roi de gloire courage en avant. En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. Pour le ciel en route, soldat de la croix,
de ton maître, écoute sans cesse la voix. Si l'orage gronde, il te gardera. Si l'épreuve abonde, il te soutiendra. Hey, en route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route, debout volontaire pour les saints combats, de la sainte guerre, marche et ne crains pas. Jésus-Christ t'engage à lutter pour lui, rempli de courage par des aujourd'hui. En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. Partout sur la terre règne l'ennemi. Contre lui, mon frère, combat sans merci. Et pour la victoire, sois fort et vaillant. Pour le roi de gloire, courage en avant. Hey! En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route pour le ciel, en route, soldat de la croix, de ton maître écoute sans cesse la voix. Si l'orage gronde, il te gardera. Il te gardera. Si l'épreuve abonde, il te soutiendra. Hey! En route pour les saints combats, en route par tes vaillants soldats, n'hésitez pas. Le clairon sonne au champ, pressez-vous dans les rangs. En route pour les saints combats, en route. En route pour les saints combats, en route. Amen. Ouvre l'autre chant, oui. Je chante ça. Et chante qui vient dans la tête. Ouais. C'est nous frapper, chanter ça. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Armés nos bras. Et nous serons plus que vainqueurs. Numéro 346. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, arme nos bras. Arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous ô Seigneur de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta
croix, notre drapeau, arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour scindera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, arme nos bras, arme nos cœurs. Amen, amen, amen. Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, oh, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Oh, 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 si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts.
redoublé de courage, s'il redouble de si l'ennemi fait rage, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublé de courage, redoublé de courage, s'il redouble d'efforts. Allons pour le chant 535. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. 535. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant cette victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Arrache à l'enfer sa poigne, tout puissant ressuscité, c'est ma pleine mais la joie sur ce monde dévasté, sur ce monde dévasté. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil, que tout amour divin soleil, que tout amour divin soleil te contemple, t'adore, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Gloire à Dieu. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle?
Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi, l'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rend tout ça paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen, amen, amen. Oui. À ton appel sur les flots, Seigneur, je m'avance. Calme sur les grandes eaux, j'aurai confiance. Mais le vent devient plus fort et devant moi, je vois la mort. Ah, sauve-moi, Seigneur, je crie à toi. Ah, sauve-moi, Seigneur, je crie à toi. Non, mon enfant, ne crains pas, je vois ta détresse. Je veille sur tous tes pas et je sais ta faiblesse, et les vents peuvent souffler, et les flots se soulever. Moi, ton sauveur, je suis plus que vainqueur. Moi, ton sauveur, je suis plus que vainqueur. Remercié sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de faveur et grâce qu'on accorde nous. Dans un moment, ça de nous retrouver en ta présence. Merci de ce que tu es, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne trahit pas. Tu viens nous rencontrer dans nos situations difficiles et compliquées pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin et nous indiquer la voie. C'est parti content, nous content parce que réunis-nous à Soya afin de nous faire du bien, afin de nous préparer, de nous former à la guerre. Merci Père Céleste de ce que tu nous donnes la force et tu mets en nous le désir de communiquer ce que tu as communiqué avec nous, avec nos frères et sœurs. N'apprends-nous, s'il te plaît, rends-les assidus, donne à mes frères l'intelligence spirituelle, la capacité d'apprendre et d'apprendre rapidement afin qu'ils soient capables, utiles à eux-mêmes et utiles au royaume de Dieu. Oh, je prie pour leur force, je prie pour leur solidité, je prie pour leur fermeté, je prie pour leur pleine formation, pleine confiance en toi. Permets, Seigneur, qu'ils soient pleinement enracinés et que Christ soit totalement formé en eux pour être capable de capacités pour avancer. Prends plaisir en nous, avec nous dans un moment, ça dirige-nous, fais-nous du bien, marche avec nous, car tu es le chef, oh Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu suprême. Bénis-nous, car nous comptons sur toi. C'est la prière adressée devant, avec le pardon de nos péchés, dans le nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, je dis, hein, et travail nous, hein, il y a bien, en fait, il y a bien valeur d'introduction pour capable aider nous, pour nous capable comprendre qui ça n'a besoin d'attendre nous lorsque nous rentrons dans mercredi de guerre, qui ça n'a besoin d'attendre du reste et pour faire ça que nous y est dans mercredi de guerre. Bien aimés frères et sœurs, il y a une remarque ou observation que nous fait. Nous observons que ils sont nombreux les chrétiens qui s'y engagent, les chrétiens qui acceptent Jésus et qui ne comprennent pas vraiment le sérieux de la cause chrétienne, qui ne comprennent pas qu'ils sont en lutte, qu'ils sont en guerre contre un adversaire puissant et qui n'ont pas été équipés ou entraînés dans les choses de Dieu. Cela pose un danger grave parce que servir Dieu n'est pas un jeu. Servir Dieu, ce n'est pas un jouet lié. Cela demande une discipline, cela demande des compétences et cela demande un certain entraînement. C'est ce qu'on appelle, en d'autres aussi, c'est ça, en d'autres mots, le discipula chrétien. Donc, c'est le fait de faire des disciples, c'est le fait d'apprendre à quelqu'un comment suivre Jésus, comment devenir un disciple. Et sous ta rencontre en pile chrétien, on va remarquer que la majeure partie d'entre eux, et en fait, c'est si oui, parce que nous disons la majeure partie, en réalité, et on ne doit pas même joindre la majeure partie, bon, dit de préférence, en pile nan yo, yo endoctriné et d'autres ne le sont pas du tout. Gen qui endoctriné et gen qui pas endoctriné du tout, ce qui est différent de l'entraînement ou du discipula. Écoutez, m'a besoin pour t'aider bien et pour suivre moi et m'a besoin assurer que ensemble avec moi qu'on pas manquer rien dans ça m'a dit parce que ce que je suis en train de partager avec vous est d'une importance extraordinaire. Je reprends et bon prends ça pour me capable reprendre ça à dire. Soit en pile chrétien et pour pas même vous le dire en pile parce que et ils sont nombreux ceux-là qui sont dans l'église qui ne sont même pas endoctrinés et en pile chrétien ou bien certains chrétiens sont endoctrinés et d'autres ne le sont pas du tout, c'est-à-dire gagner orientation que en pile monde joine, c'est que lorsque ils entrent à l'église ils appartiennent, ils joignent ou bien ils ou bien ils entrent dans une dénomination ou bien une confession, généralement ce qui arrive, ils entraînent maintenant ou bien ils endoctrinent maintenant dans leur croyance, c'est-à-dire ils apprennent maintenant leur croyance fondamentale. Si la personne est de confession témoin de Jéhovah, si la personne est de confession baptiste, si la personne est de confession catholique, et si la personne est de confession adventiste ou méthodiste ou j'en passe, généralement ce qu'on fait, la personne est endoctrinée dans la confession à laquelle elle appartient. Donc, il dit maintenant, mais qui ça veut dire et être baptiste ou être témoin Jéhovah, nous croyons que, et on trouve des textes bibliques pour affirmer ou plutôt soutenir ce que l'on croit, et à tort ou à raison. Donc, je parle en maître. Donc, à tort ou à raison, on trouve des textes bibliques pour affirmer et ce que l'on croit. Mais il y a une autre dimension qui va au-delà de endoctriner moun. Il y a une dimension qui va au-delà de ça, et ça, c'est la dimension du discipula. À ce niveau-là, la personne n'est pas préparée pour une confession ou une dénomination, mais la personne est préparée pour l'Église, pour le travail, pour la mission, pour le monde. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est un chrétien avec un qualificatif, par exemple un chrétien adventiste ou un chrétien baptiste ou un chrétien témoin de Jéhovah, mais c'est quelqu'un qui est avant tout un chrétien et qui arrive d'être affecté par volonté divine ou je ne sais quoi à une dénomination. Et cela fait toute la différence. À ce niveau-là, la personne est beaucoup plus équilibrée. À ce niveau-là, la personne est beaucoup plus stable. À ce niveau-là, la personne a une formation biblique spirituelle qui la permettra d'avancer et de faire des progrès dans sa course chrétienne ou dans son cheminement chrétien. Si nous avons, d'après moi, je vais un petit feedback ensemble avec moi, nous dit, parce qu'on est là jusqu'à présent. Donc, parce qu'on est là jusqu'à présent, si m'aller trop vite, et m'a prétendu pour me capable reprendre samedi, parce que là, nous sommes dans le domaine de l'enseignement et la répétition est l'âme de la pédagogie. Donc, nous t'apprêmer aller et à petit et
et peu à peu, à petit pas, ou bien pas à pas, pour capable assurer que tout le monde ensemble avec nous. Donc, pour les besoins de la cause, ben, vous prenez, ça me dédie, hein, au cas où grand monde qui pas tape suivre, ou bien au cas où grand monde qui besoin plus compréhension, t'as pris, fait feedback ensemble avec nous, et Sœur Farah, aidez-nous comprendre, contrôler feedback, yo, et qu'on s'en avance. Ben, vous prenez ça, ma m'dia. Moi, t'es commencé pour me dire que, et, des chrétiens qui endoctrinent et d'autres pas du tout. Il y a des chrétiens qui endoctrinent et d'autres pas du tout. Et je t'explique qui ça, que je suis endoctriné, c'est le fait que la personne est renseignée ou entraînée, ou la personne est éduquée pour le capable croire, pour le capable épouser, accepter les croyances de sa confession. Tout, pas j'oublie ça, Mabdoulala, fait. Toute dénomination gagne yon corps, a body of belief. Ça relie yon corps de croyance. Toute dénomination, sans exception, gagne ça relie a body of belief ou bien yon corps de croyance, c'est-à-dire des vérités qu'ils trouvent, qu'elles trouvent essentielles ou fondamentales et à leur direction, à leur appel, à leur fonctionnement. Et yon que notre plus familière ensemble avec lui, c'est la dénomination adventiste. Nous avons, nous autres, 28 vérités fondamentales. Et pour nous-mêmes, c'est bagay sa ou qui pi essentiel, c'est ou même qui pi fondamental. Et toute dénomination sa ou gagne yo. Mais il est important pour comprendre que vous trouvez des textes, vous trouvez des textes pour appuyer, soutenir, à tort ou à raison, ça vous comprendre, ou bien direction, ça que vous gagnez. Donc, ou joignez aussi le monde qui est endoctriné et d'autres qui ne sont pas du tout. C'est-à-dire, mon n'a gagné dans l'église pendant 15-20 ans, sous ta mandel qui sa l'église la quoi. Et pour qui raison l'église la quoi ça le croit, la personne ne sera pas en mesure de vous dire ce qu'elle croit ou pour quelle raison elle croit ce qu'elle croit. Donc, à ce niveau-là, la personne est là, mais elle n'est pas même endoctrinée. Ça, c'est le niveau plus ou moins basique, c'est le niveau abécédaire. Mais il y a un niveau beaucoup plus avancé. Voilà, je suis content, moi, quelqu'un qui a dit non, la pasteur, faire suivre la même. Il y a un niveau qui est beaucoup plus avancé. Ce niveau-là n'est pas le niveau d'endoctrinement, bien que la doctrine a sa place. Ce niveau-là ne se limite pas à ça où l'endoctrinéa, lui aller plus loin. C'est ça où la dimension du discipula, c'est-à-dire c'est la dimension du mentor, du mentorat. Écris ça pour moi s'il vous plaît. La dimension du discipula ou bien doit écrire la dimension du mentorat méthodique. Écris ça pour moi. Deux bagages importants. C'est dimension du discipula ou bien la dimension du mentorat méthodique. Donc c'est-à-dire moun sa, son moun ki gon mentor, son moun ki en bas sa, a Pastor Joshua Sermon cause a teaching priest, mwen expression sa, c'est moun ki en bas sa wele a teaching priest, et mwen même mwen rele on maître spirituel, c'est moun ki en bas direction, tutelage, on maître spirituel, et là, cette personne là, il y a apprendre de façon méthodique, les rudiments de la foi chrétienne. Donc, yo prend mon sac de un point pour yo mener à l'autre point, en sorte que quand le cursus aura été épuisé, ou capable de dire moun sa, mais qui genre de moun nier, parce que le bâti et suivre un programme d'études qui fait le salier. Très important. Même gens ouais, il y a un cursus, il y a un curriculum, l'homme est rentré. On nous dit dans l'école ingénierie pour le devenir ingénieur civil. Donc, il y a un cursus que la personne suit et que tout le monde qui allait dans l'école génie civil à la fin de ce cursus ou capable d'atteindre un minimum de compétences parce que la personne a suivi un cursus, moun nan gon bagay li suiv, li gon programme li suiv qui permet li devenir ou bien qui habilite pour le capable rele tête li yon ingénieur civil. Il est aussi vrai dans le discipula. Il y a un cursus, il y a un programme, gagne un mentorat méthodique, gagne un enseignement. Lorsque moun rentre enseignement, ça grâce à la parole, grâce à l'Esprit Saint et grâce au ministère de maître spirituel, what Joshua Selman calls a teaching priest, qu'on y a là, moun sa développé yon capacité, yon bagage, li gon connaissance spirituelle pour le capable camper en tant que chrétien qui gen maturité et qui prêt à accomplir les fonctions du royaume. Nous ensemble jusqu'à présent, pas vrai? Parfait. Maintenant,
yon bagay moun sa apren en plus de doctrine. Parce que d'après mes fait distinction ça parce que me senti que la important me dit d'après mes fait distinction ça parce que me senti la important pour qui ils ont la important me pas ta remet que pièce mon estimer ou penser que la doctrine n'a pas sa place. OK, d'après mes fait ça clair et d'après mes dire encore me pas ta remet pièce mon penser et ou comprendre ou mal comprendre que la doctrine n'a pas sa place, pas du tout. Gayon bagay yo les doctrines bibliques, gayon bagay ki les doctrines démons. OK, il faut faire attention. La doctrine a sa place. Mais ça moi-même moi dis que il faut aller au-delà de la doctrine. Et dans ce mentorat méthodique, dans ce disciple là, yon nan bagay que ou gen doit épuiser, yon nan sujet que ni doit considérer ces doctrines fondamentales de la foi chrétienne, pas vrai les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, mais on va au-delà de cela, n'al pi loin parce que nous pas vle gen yon formation en anglais ou dit lopsided, c'est-à-dire on formation qui gen force côté et qui fait place à toutes sortes de lacunes et de faiblesses, mais on vle gen formation générale, on formation globale qui capable permettre au lancer et pour capable et bien moun bon Dieu relo pour hier. OK, nous sommes ensemble jusqu'à présent, donc on peut avancer. On peut avancer, c'est ça, on peut avancer. Voilà. Maintenant, bien content, nous comprenons, samedi, ce n'est pas un problème, les mouns connaissent doctrine, ce n'est pas un problème, les mouns connaissent doctrine, mais on dit qu'il y aller au-delà. Donc, comme ça, on est d'accord, nous t'as supposé ensemble pour être capable d'avancer sans difficulté. Parfait. Maintenant, c'est non. Programme de disciples là ça des yon c'est un cours ou non l'école chaque il y a plusieurs matières et pas vrai donc il y a plusieurs domaines il y a plusieurs cours et tout cours ça si vous voulez li rentrer en bas ombrelle ça que les et disciples là ou bien discipleship en anglais et donc nous t'as supposé ensemble là pas quoi t'as supposé il y a trop difficulté pour que nous capables avancer et si tu as des difficultés tant pis fais-moi connait pour me capable clarifier mes propos pour que nous capables ensemble et sans difficulté. Parfait. Et maintenant, tendez bien ça me dire là. Pour qui raison et ça est important oui et on pas veut passer tout le temps dans ça non mais faut m'avancer. Pour qui raison ou besoin on met spirituel. Pour qui raison au besoin pour qui raison nécessaire pour capable bénéficier du ministère of a teaching priest. Pour qui raison li nécessaire pour capable et bien en bas un mentorat méthodique. Et là au monde on nous dit et avec le temps prendre ça pour t'en des bien enseignement moi avec le temps et ou vinn gagner ça relé de nos jours long distance education ou bien virtual learning et quel que soit genre relé éducation à distance pas qu'on façon relé ça les monde n'a pas obligé aller dans classe oublié thème technique là distance learning or something like that online learning donc qu'on y a là avec développement et moun n'a pas obligé et sur le terrain pour le chita et pour la classe en présentiel c'est-à-dire pour en présentiel gè ça ou les distance learning gè ça ou les online classes mais on peut remarquer avec toute online classes yo de temps en temps pour moun qui fait online classes ou bien distance learning de temps en temps ou après que classe la réunit et gon maître gon enseignant qui là pour capable diriger moun nan pas vrai pour capable orienter moun nan. Pour qui raison ça me doit là important. L'important c'est pour t'aider oui, l'important c'est pour pas négliger. Prends son pour t'aider ça m'a dit là, online class voilà. L'important c'est pour l'important c'est pour ou pas négliger the ministry of a teaching priest. Gemon qui doit dire bon nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Oui, nous avons la Bible et nous avons le Saint-Esprit. Maintenant vient la question, si nous avons la Bible et si nous avons le Saint-Esprit,
pourquoi le Saint-Esprit trouverait-il bon de nous donner, ça ou est en anglais, de fivefold ministry? Aïe, aïe, aïe. Bah, t'as privé là, non? Et m'a pas avancé. Si nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit et qui est là pour nous enseigner, pour nous guider dans toute la vérité. Si nous avons la Bible et si nous avons le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit trouve-t-il nécessaire de nous donner les cinq ministères? Et au cas où, il y a un monde qui a un droit et même ça terrible. On avance. Maintenant, pour quelle raison? Gagner yon bagay qui relie les cinq ministères. C'est-à-dire les cinq ministères. Et en anglais, yon relie de fivefold ministry. Gon bagay yon relie de fivefold ministry. Qui compte au joindre de fivefold ministry? Ou joindre dans Ephésiens? On va aller rapidement dans Ephésiens chapitre 4. Galates et Ephésiens. Dans Ephésiens chapitre 4. Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset, en fait, à partir du verset 9, mais en réalité, c'est à partir du verset 11 qu'il pourrait parler de cela. Il dit comme ça, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Mystère, gros mystère. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et ça dit au verset 11. Et il a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui est monté, et il a donné les uns comme apôtres. Ah, les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. C'est ça où il est, the fivefold ministry, ou bien les cinq ministères. Les cinq ministères. Hein? Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour qui raison? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Maintenant, Jésus, lorsqu'il est monté, il a donné des dons. Il est monté, il a fait des dons aux hommes. Et parmi les dons que le Christ fait à son Église, il y a les cinq ministères, apôtres, pas vrai, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou bien enseignement, ou bien maître, ou bien teachers. Prends soin pour t'aider l'Évangile là où elle. Maintenant, il y a un problème que en pile dans nous qui doit gagner. Et c'est là travail très difficile parce que li plus facile pour bâtir un caille que pour craser un caille plutôt pour rebâtir ou bien que pour corriger un caille, li plus facile longtemps pour bâtir un caille. Problème travail moi vinn très difficile dans qui sens parce que en pile dans nous caille spirituel nous était mal bâti. Si m'ta en réalité, en fait, en pile dans nous, seul ministère, en nous honnête, et si m'ta font sondage, en bas live là, et si m'ta font sondage en bas live là, et si m'ta font sondage, ou connaît qui sa classe la bloqué là, en focus mes amis, classe la bloqué dans la question doctrine. Maintenant qui sa classe la bloqué en balave là, les maps suivent enseignement. Classe la bloqué nos questions doctrine. Vous entendez? Mais côté on classe bloqué. Alors que et c'est là l'imandé et patience enseignement pour bon Dieu ben moi pour me capable aider nous comprendre. Maintenant bon me reprendre, bon clarifier pour nous avancer avec monde qui voulait avancer. Et je vous ai fait remarquer quelque chose que vous ignorez. Et quelle est cette chose? On dit que certains chrétiens et ceux qui étaient trans, c'est pas la plupart des chrétiens, c'est ceux qui est plus grave. Il me dit que certains chrétiens, qui n'est pas vraiment la majorité, ils ont endoctriné, mais ils n'ont pas un programme de discipleship.
yo pas gain ça, yo en pile yo pas bénéficier de du ministère of a teaching priest. En pile nan yo pas suivre un cursus de développement, yo pas ambassadeur, yo mentorat méthodique, yo pas vraiment suivre un programme de discipleship ou discipula, côté que les moun nan fin suivre programme ça, li vinn gon solidité, li vinn gon identité chrétienne, li konn qui est lié nan Christ, li konn à qui ça appelle li lié, li konn exactement identité chrétienne ni pour l'avancer. Mais ça c'est un fait. Et moi dis que en fait, c'est un fait lamentable parce que before moun pas même endoctriné. Before moun pas capable articuler intelligemment ou bien avec intelligence, de façon intelligente, la croyance de leur confession religieuse. Before pas capable. Sous t'apprends un moun, à un moun moyen, pour mander pour articuler de façon intelligente, comme c'est dans espace ça nous connaît, pour t'amener pour t'articuler de façon intelligente les 28 vérités fondamentales, en pile n'est pas capable. En pile n'est pas capable. Et là, c'est un extrême qui pas, en fait, extrême qui pire de là, c'est l'homme qui n'a pas endoctriné même. Ça li moun sa li même dit seulement là, mais pas qu'on a rien dans rien, li ouais tout moun a danser Jean Frété l'a dit, rentrer dans bonne l'a danser tout. Hein, c'est ça Frété l'a dit. Donc li juste rentrer dans bonne l'a danser tout. Mais donc ça c'est homme. OK? Mais gen moun qui plus ou moins endoctriné et en honnête généralement qui le endoctrinement ça fait. Généralement, li fait si gagné un pasteur qui a prêché en campagne d'évangélisation parce que dans notre milieu, c'est ça qui est en campagne d'évangélisation, prêcher doctrine. Aïe, 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 ma plague les vérités dans Wellou. Prêcher doctrine, donc la prédication de la doctrine, c'est ça en pile, c'est ça qui mène en pile moun et dans l'église côté yo yé jodi. Hein. OK, mais après ça, yo qui doit pas jamais entendre des doctrines souvent encore ou bien autant de lego l'autre croisade encore qui sont refreshment pour yo et puis tout, les mêmes choses se reproduisent. OK? Maintenant, moi dis comme ça et on nous aller au l'autre côté, on nous aller plus loin, gros dimension plus loin, gros dimension qui plus avancée. Au-delà de dimension que moun et Jacqueline Cadet, pas la game d'un problème s'il vous plaît, pas la game d'un problème Jacqueline Cadet s'il vous plaît. Au-delà de dimension pas qu'on a rien ou n'est rentré dans bonne et puis ouais moun a braler sûrement qui est-ce qui met bonne côté bonne braler ou pas jamais connait ou même ou là c'est pas ou psigue, c'est ça seulement qu'on connaît. Maintenant, au-delà de dimension, ça, il y a des gens qui endoctrinent. Et au-delà de gens qui endoctrinent, il y a l'autre même, ça, son disciple lié. Ça, c'est yon qui chita en bas ministère de yon prêtre enseignant. Under the ministry, ça, c'est yon qui sit under the ministry of a teaching priest. Ça, c'est yon qui en bas, ça, il y a un mentorat méthodique. Ça, ce monde, il prend, il met nos cursus, il met nos programmes, il a matriculé soigneusement vers un horizon côté monde, ça lui-même, il est devenu un chrétien qui fait, un chrétien qui a maturité, un chrétien qui est solidement établi pour accomplir les fonctions du royaume. Ça, c'est son autre dimension. Ça, c'est l'autre niveau. Et c'est, et on va comprendre que dans le cursus, ça, gagner doctrine, mais en d'un cursus, ça gagne plus que doctrine. En d'un cursus, ça gagne la guerre spirituelle. En d'un cursus, ça gagne, par exemple, les disciplines spirituelles. Ou gagne ça, ou les, en anglais, gagne ça, ou les, en français, on va dire tout, mais en anglais, ou les spiritual formation. Mais en anglais, c'est spiritual formation. En français, c'est formation spirituelle. Gagne bagay ça, ou tout. Il y a les pratiques. Donc il y a tout bagay ça yo dans même cursus ça gien comment pour apprendre mon faire des choses. OK, gien la guerre spirituelle, gien ministère des délivrances, gien enseignement sur la prospérité, autant de choses le mon fin matriculé dans programme ça qu'on y a là mon gros niveau côté qu'on y a mon veut dire maturité pour l'avancer et pour le développer et pour arriver côté bon Dieu relève pour arriver. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à présent? Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à présent? Si nous sommes ensemble, nous dit oui. Moi, je pense que moi, il frappait assez oui. Donc, nous sommes capables d'avancer, pas vrai?
Parfait, nous capables d'avancer. Maintenant, nous disons que Dieu nous donne la parole et Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais Dieu trouve aussi nécessaire pour le bail à l'Église les cinq ministères, ou bien ça ou il est en anglais, the fivefold ministry. Si nous t'as posé nos questions, et si nous t'avons répondre moi honnêtement, en pile dans nous, dépendamment de qui dénomination nous là-dedans, si nous t'as posé nos questions, des cinq ministères, lequel est beaucoup plus familier pour mon papa, en fait, ça me paraît diatrice, mais entre nous, des cinq ministères que nous sautons dans Éphésiens 4, verset 11, qui seul grand ministère, plus fort dans nous qu'on est, ou bien plus fort dans nous exposé à lui-même dans la confession religieuse nous, ou bien dans la dénomination. Répondez-moi, s'il vous plaît. On va aller rapide. Entre temps, ma bonne idée. Question non simple. Une question simple me poser, et question c'est pour capable. Et aider ou conscient de ce que nous sommes en train d'enseigner pour capable comprendre des sept ministères que la Bible parlait de lui dans Éphésiens chapitre 4. Qui est-ce dans eux plus fort dans nous gagner dans nomination dans dénomination et qui est-ce dans eux plus fort dans nous qu'on est en nous honnête on parle vite parler pressé parler chaud écrit chaud parce que faut aller me ta premier fin de bonheur pour mal faut relax. C'est ça, oui. C'est ça. Nous faisons parler, oui. Nous faisons parler. Voilà. C'est ça. C'est ça. Nous guérissons, oui. Dans tout ce ministère, ça, vous entendez, oui? Dans tout ce ministère, ça, nous sommes liés là. Puis, il faut nous compter deux. Et je vais expliquer nous qui deux ministères nous connaissons. Et nous écrit là. Dans ce ministère, ça, puis, il faut qu'on nous connaît le ministère pastoral. Ou le ministère du pasteur. Et gainan nous, faut me dire ça, gainan nous, pour qu'ils ont dit gainan nous, c'est parce que généralement, c'est pour un bagage qui appartenu à l'église locale. Et gainan nous qui exposé, ça me dit la sauvage, gainan nous qui exposé à Sayorele, ministère évangéliste, le ministère de l'évangéliste, mais en réalité, ce que nous appelons évangéliste, moun nou rele évangéliste dans communauté pa nouan, généralement, moun nou rele évangéliste dans communauté pa nouan, c'est moun qui passe gen en formation, généralement. Sim erre quelque part, on moun edem, s'il vous plaît. Mais généralement, moun que nous-mêmes nou rele évangéliste dans communauté pa nouan, c'est moun qui gagne en capacité pour yo prêcher ou bien pour yo faire moun converti, mais qui pas recevoir yon éducation théologique classique. OK. Ou bien si moun nan recevoir une éducation théologique classique, li pa pratique qui rare dans milieu noir, des fois nous relé moun sa évangéliste. Par exemple, et une vive expérience, des fois, ou gen doit attendre si moun nan son pasteur lié et puis tout moun nan gen don dans évangélisation, ou gen doit attendre ou le pasteur évangéliste. Pasteur évangéliste. Des fois, ça c'est réalité milieu panouan. Réalité milieu panouan. Mais, en pile dans nous, pas qu'on est ça, le ministère apostolique, en pile dans nous, bien que nous appartenu à une dénomination qui a sa base fondée sur des révélations prophétiques, en pile dans nous, pas qu'on est vraiment ça, le ministère prophétique, ici, bagala terrible, oui. En pile nan nou pa konn sa rele un ministère prophétique, nous pas exposé à lui-même et en pile nan nou pa konn sa rele un ministère, le ministère de l'enseignant et sa Bible a rele docteur ou bien maître spirituel ou bien comme rele maître spirituel ou bien de teaching priest ou bien le prêtre enseignant, en pile nan nou pa konn réalité ça. Maintenant, et frère Télot a dit et dans l'école biblique yo, c'est pasteur seulement nous former, mais côté apôtre là, côté évangéliste là, côté prophète là, côté enseignant. Donc la réalité c'est que soit nos classes, c'est bagarre terrible, soit nos classes
et on nous dit que il y a une classe qui a gradué, une classe qui a diplômé, une classe qui a diplômé, et puis tu vois la classe ça là, tout le monde net qui a diplômé, puis faut ces pasteurs, oui, pour ne pas dire tous ces pasteurs. Alors ouais, faut mettre en modération, ouais, juste qu'il va aller dans modération, bien que me connais extrêmement là. Donc tout net ces pasteurs, oui. Côté prophète là. Or, yon, t'as dit oui, yon dans première école et qui enseignait dans la Bible, il parlait de l'école des prophètes. Ah, il y avait l'école des prophètes. Il y avait l'école des prophètes. Et les étudiants de l'école des prophètes, ils étaient fils des prophètes. Les fils des prophètes. Maintenant, côté l'école prophétique là. Bon, ça sont l'autre débat pour l'autre temps. Et autant de choses que tu as dû parler. Alors, pas besoin de dire, lorsque le ministère d'enseignement, qui l'a pour capable, par la grâce de Dieu, commencer à enseigner des choses, ou capable de comprendre pour qui raison, il y a toute frustration, ça, il y a toute difficulté, ça, parce qu'il y a un peuple qui a été mal formé, il y a un peuple qui a été mal, ou bien, qui n'a, bon, dire comme ça, pas mal formé, qui n'a pas été complètement formé. Ça fait plus sens. Il y a un peuple qui n'a pas été complètement formé, il y a un peuple qui n'a pas été totalement formé dans les choses de Dieu, et ça capable de faire difficulté parce que ça, généralement, ou exposé à lui-même, c'est ça généralement qu'on croit. Mais tout bagaille ça, yo, pour être capable de rabattre à l'enseignement sur la guerre spirituelle. L'enseignement qui s'accrit de guerre là, et pour qui raison il est important. Donc et j'en ai dit tout au début, et à soi, il y a une valeur d'introduction pour être capable de rabattre. Maintenant, l'important pour que ou capable de suivre un programme systématique. Côté que, et moi, je me rends compte que 21 jours passent assez vraiment pour enseigner sur la guerre spirituelle, pour préparer un soldat. Et 21 jours pas assez, et gon réalité dans le pays ici. En fait, en français, yo dit les classes, mais en anglais, yo le bootcamp, et qui sont programmes de formation, quand il prépare mon nom, il prépare soldat, il balon conditionnement physique, pas vrai, un conditionnement mental. Et mon a développé des compétences, et des compétences de guerre, des compétences de combat, pour que le capable mener combat. En honnête, un petit temps, et puis tout n'a pas. N'a pas parlé pita. On l'autre le, parce qu'il faut nous prier. Donc, ou imaginez que, et l'étape importante pour m'ajouter dans ce que je dis là, ça que nous avons fait là, ce n'est pas une sorte de jihad à la façon chrétienne, non. Et côté que nous avons enseigné le monde, on sort de guerre sacrée pour aller prendre Uzi, pour aller prendre AR-15, pour aller prendre M16 et P-Couteau. Non, ce n'est pas dimension ça là. C'est pour sorte de jihad et à la chrétienne, c'est pas ça qu'on a fait. Ça qu'on a fait, c'est exposer à la réalité de la guerre spirituelle que nous avons enseigné sur lui, cela fait déjà quelques temps. Et puis, par la grâce de Dieu, montrer comment, en tant que chrétien, ou capable d'armer, ou capable de développer par la grâce de l'Esprit Saint, ou capable de développer avec l'aide suprême de l'Esprit Saint, à la lumière de la parole, et grâce à ministère, yon maître spirituel, ou bien un teaching priest, ou bien yon maître enseignant, comment ou capable de river nos dimensions, quand on gagne maturité pour développer mentalité. Yon combattant, mentalité, yon soldat spirituel, et plutôt pour camper dans la guerre spirituelle, pour défendre tête ou, pour défendre monde qui est autour de vous, et pour défendre les intérêts du royaume. Yes! Les intérêts du royaume. Donc, c'est ça, mercredi de guerre. Donc, l'ennemi, on va prier à cet effet. On va demander bon Dieu grâce, on va demander bon Dieu direction, on va recevoir enseignement. Et moi, je crois que bon Dieu va bénir nous. Et les guerres, ça me parle de la terrible, les guerres que nous devons mener individuellement, et puis nous joignons toute équipe là, les rentrer ensemble dans la guerre là, les aider à mener la guerre là, les aider à prier, nous devons prendre une requête, nous devons prier pour ton domaine. Et spécifique, n'a prié pour tel domaine. Et puis tout, on monte qui a un problème. Et puis tout, plusieurs monde qui a un problème. Et puis tout, nous, tout net qui embarqué dans le mercredi de guerre. Nous, là, n'a prié. Et, il y a un monde qui a dit, mais passe. Et tu prends ton temps, tu prépares ces choses. Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Parce que,
Mbra di nou bagay. Bagay sa yo ke ma pense ni nou la, se bagay pou nou ta paye gros l'ajan. Et ici aux États-Unis, dépendamment de qui pays ou à vivre, ici aux États-Unis, gon bagay yo gon concept. Time is money. Time is money. Le temps c'est de l'argent. Donc temps ça m'a prend pour préparer ou et pour faire préparation pour me capable venir enseigner parce que chaque heure d'enseignement il m'a dans pile préparation. Maintenant avec expérience, avec certainement la grâce de l'Esprit Saint et l'ignorer doit limiter dépendamment de ça, mais pour moun qui connaît ça, ça veut dire enseignement, pour moun qui connaît ça, ça veut dire préparation. Il y a moun chaque heure d'enseignement autant que là ou même pendant une heure m'a enseigner. Mais une heure pour m'apprendre, il doit demander 4 heures, 8 heures de préparation. Attention, monde qui est dans le domaine de l'éducation, comme ça m'a dit. Il y a nous, ça m'a dit nous là, ou bien grâce que bon Dieu a fait nous là, il y a nous qui dans l'église pendant 20 ans, 25 ans. C'est la première fois qu'on a entendu des bagages. Maintenant, pour qui raison fait? Pour qui raison? Et c'est l'appel qui est sur ma vie. Et bon Dieu, il est pour me faire travailler ça. Pas vrai, c'est, le Seigneur m'a appelé à cet effet. Et il fait grâce, il mettait ce phare à bon côté, qui parfois fatigué, mais qui, en dépit de fatigue, il est toujours là pour la supporter, ça qu'a fait là-là. Et pas vrai, pour la aider, ça qu'a fait là-là, pour la encourager, ça qu'a fait là-là. Et donc, c'est l'appel que j'ai reçu. Et puis, récompense-moi dans mes bons dieux, récompense-moi dans mes bons dieux. Donc pas penser que pas penser que nous pas gagner mais nous pour nous gagner droit aller font l'autre bagaille ou bien partir on l'argent ou bien le crason part time somewhere ou comprendre faire l'argent. Time is money in this country, time is money. Mais le Seigneur nous a appelé et nous t'a prémé ouais un groupe de chrétiens et qui préparait un groupe de chrétiens qui formait dans les choses de Dieu, un groupe de chrétiens qui éduquait, qui comprennent les choses de l'esprit et qui armait puis on menait le bon combat de la foi et puis on gagne succès. Et en fait, mais qui côté récompense ultime et mais qui côté lié dans Ézéchiel, Daniel, récompense ultime et c'est ça que fait pour un bon enseignement, ça, on pas du bon frais description. On pas du bon frais description. Juste enseigner. Et mon qui voulait supporter le ministère, là, il supportait le ministère de Dieu. Donc, nous, juste fait ça avec cœur. Nous, c'est ça, c'est cœur. Nous, c'est passion. Nous, c'est ça, bon Dieu, il est nous, pour nous faire nous dire, bon Dieu, merci pour ça. Tendez, qui côté récompense, et mettre là, et récompense, mettre là. Mais qui côté lié. Et aïe. Voilà. Mais qui côté récompense mettre là? Récompense-moi dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 6. Qu'est-ce qui est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 6? Il dit comme ça. Bon, prendre depuis dans verset. Yay! Bon, prendre depuis dans verset 1. Bon, prendre depuis dans verset 1 pour me finir dans verset 3. Attendez ça, il dit. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Prenons pourtant dit verset 3. Mais qui ça dit dans verset 3? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Attendez, mais côté pas m'en venir. Et ceux qui auront enseigné, alléluia! Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Yes. Écoutez, récompense pas moi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. En sorte que, mesdames, messieurs,
nan jou kap vini a la yo, m'a mande yo pour rentrer, attendez, rentrer nan mercredi de guerre avec souci, surtout ou même kaïsien. Rentrer avec souci pour apprendre, pour qui raison dit surtout ou même kaïsien, c'est parce que lutte pas nous, les différentes de lutte toute l'autre nation sur la terre, à quelques rares exceptions, autant que je chasse. Lutte pas nous est difficile. L'autre monde ou genoua qui gagne autant de lutte que nous, c'est monde qui fait même expérience mystique, spirituelle, même j'ai avec nous. Tant qu'on gagne monde qui n'a, conseil de africain, dans Ghana, dans Nigeria, dans Bénin, on sait le serviteur de Dieu. Donc c'est gagne monde qui combattu par les forces des ténèbres autant que nous le sommes. Yes. Ou joindre certains monde au Congo. Donc lutte pas nous différents. Non seulement nous gagne réalité, nous gagne difficulté sociale qui devant nous, pas vrai? Difficulté sociale. En pile dans nous émigrer dans pays étranger côté ou pas parler même langue côté que ou pas gagne difficulté pour adapter. En plus de ça, ou bien pour faire face avec injustice raciale, ou bien pour faire face avec discrimination, ou bien pour faire face, en plus de tout bagage ça, ou bien haïtien pareil ou pas vle wè. Ou bien moun nan fam ou ka fait expédition des dos. Ou bien diable racial même qui pas vle dormi. Ah. Combat pour la sauvage. Et me rend compte que en tant que maître spirituel, en tant qu'enseignant, n'est qui recevoir la n'est mon Dieu relé dans le ministère de l'enseignement, moi me rends compte que il y a nécessaire, yon nan bagay que m'a besoin fait pour me bien équiper pendant que n'a fait tout l'autre bagay, c'est montrer ou comment pour bataille. Yes, montrer ou comment pour bataille. Apprenons la guerre spirituelle. Apprenons la guerre spirituelle. Autant de David qui dit, ça c'est pour l'autre mercredi, on va commencer par parler sous ça. Autant de David qui dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc, il y a une bagarre que nous avons pour nous faire, c'est aider pour capable apprendre la guerre spirituelle, pour qu'on comment, pour qu'un combat, pour mener combat, pour capable avancer. Bamdou qui sera besoin pour capable réussir, pour capable vivre bien, pour capable bénéficier. Bamdou, parce qu'il est important, c'est à coup son classe m'a enseigné. C'est professeur Emile, la plus importante pour nous qui soit besoin pour tirer profit de mercredi de guerre. Attendez bien ça me radio là. Ou a besoin ça relé un esprit critique et non un esprit de critique. Ouh. Est-ce que quelqu'un qui t'entend samedi là? Ou a besoin ça relé un esprit critique et non un esprit de critique. Qui différence pasteur qui gagne entre un esprit critique et un esprit de critique? Yon esprit et critique, c'est l'attitude des Béréens dans le livre des Actes, côté que yon vini, yon tende la parole, et puis tout yon gade, pour yon si ça, yon dit, yon c'est ça. Yes. Donc, l'homme parle enseigne sur la guerre spirituelle, m'a bon des versets à l'appui, m'a puisé des réalités et du vécu quotidien, et puis, m'a essayé faire rapprochement biblique pour m'aider à comprendre ce qui a passé. Maintenant, esprit critique là, il est là pour le tendre. Est-ce que ça m'a dit aller en conformité avec la parole? Est-ce que ça m'a pensé là, c'est la Bible ou bien c'est spiritualité chrétienne? Et puis, tu as besoin d'esprit critique et puis tu as besoin de demander, mon Dieu, esprit de discernement, Seigneur. Parce que raison que je fais tout ça, parce que j'ai enseigné le bagage, m'a enseigné que c'est la première fois où tu as. Donc, on a besoin de demander, mon Dieu, dis Seigneur, cet esprit, aidez-moi comprendre. Est-ce que ça, serviteur a dit, a sorti de où? Est-ce que le sorti de où? Est-ce que serviteur ça de où? Posez, mon Dieu, question. Est-ce que initiative ça de où? Yes, on a besoin de ça. Il y a un esprit critique. Mais esprit de critique, c'est esprit qui t'est animé certains scribes et certains pharisiens. On dit certains parce qu'ils n'étaient pas tous. Ils n'étaient pas tous animés de l'esprit de critique. C'est esprit qui fait, tenez bien. Gen bagay nou li bebla, nou parren nou konde yo, mais qui là? Est-ce qu'on connaît les Jésus t'a enseigné? T'es un pile pharisien, un pile scribe qui était là, qui était présent, qui était tendu les enseignements de Jésus. Attention. Prends-toi pour tendre l'évangile, ça m'a dit là. Bon goûter de l'eau. Bon goûter de l'eau pour me quitter l'évangile là, bien mariné dans l'eau. C'est ça. Les Jésus t'a enseigné.
te gen pile scribe et pharisien qui étaient toujours dans foule là. Ils étaient toujours dans foule là. Pour qui raison? Yo pas tendez oui. Il n'était pas là pour apprendre. Il ne cherchait pas à comprendre les mystères du royaume. Mais yo était là pour y suivre enseignement Jésus, pas pour en bénéficier vraiment, mais pour être capable de porter en critique, pour être capable de jouer, pour être capable d'accuser, pour être capable de porter toutes sortes de noms. Conséquemment, en pile, bien que yo était tendez enseignement Jésus, mais en pile, yo pas de gens bénéficier. Quelques-uns t'es béni. Ah, Sam de la terre, oui. Quelques-uns t'es béni. Ou pas jeune onègue, tant qu'on Nicodème qui prend le pas être sous Jésus pendant la nuit, il prend dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ça, c'était un observateur. Quelqu'un qui observait Jésus et qui a eu la grâce pour le capable passer de l'esprit de critique à l'esprit critique, pour le capable arriver à une juste conclusion, pour dire au-delà de mes préjugés, au-delà de toutes sortes de prétendus, je reconnais en toi l'œuvre du Tout-Puissant. Ah, ça sort la dimension. Maintenant, c'est ça que fait, ou après, il y a un live là, qui a vini, il a vini, puis autant de qui enseignement, qui enseignement, ça m'a enseigné, et plutôt pour y aller critiquer. Puis il colporter comme mirage. Mais prière moi-même, prière, c'est pour pendant au vini. Et pendant au vini, puis au tende, puis au joindre au sujet de me dire. Pendant au vini, puis au joindre aux paroles, puis au critiquer, sujet de prière, c'est pour même grâce qui te saisi Nicodème. Saisi yo. Et puis tu dis, quatre messieurs, à sa vitesse à gagner qui sont, oui. Et puis tu pour béni, puis au transformer, et puis tu pour armer, à grandir. C'est ça, bon Dieu, voulait. Et c'est ça, nous prier pour les tout. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, on a besoin d'esprit critique, pas vrai? On a besoin de prendre note. Moun, yon ne façon moun apprendre, c'est leur prendre note. Écris. On a besoin de prendre note, et plutôt qu'il y ait enseignement, on a besoin d'aller pour tendre encore. Au grand enseignement, on a besoin de retourner sur lui pour tendre encore. Pour écrire note, pour prendre verset, pour garder verset, pour chercher l'autre verset, pour mettre collé à verset pour faire étude avancée pour, et pour, en réalité, pour mettre dans le langage noir, dès qu'on arrive, on peut obliger à rentrer dans la partie vendredi. Vous connaissez qui sa partie vendredi a dit? Dans tout questionnaire du monde entier, partie vendredi a dit pour aller plus loin. Yes. Ou a besoin de faire partie vendredi. OK, dans tout questionnaire dans le monde entier, quel que soit l'angle, parti vendredi a dit pour aller plus loin. Donc, ou prend bagage ça et puis tu vas plus loin, ou aller plus loin, c'est comme ça on grandit. C'est comme ça on grandit, OK? Et l'autre bagage qui a pédo et en dans ministère ça, l'OM a pensé c'est moi qui mettre. Et moi qui mettre, c'est moi qui mettre qui a pensé. Pas gain 2 mètres en bas là c'est moins que mètre qu'après signer. Donc ouvrez mettre à le faire ministère pour à lancer causer pas parce que gain monde qui doit venir pendant m'a penser en bagaille, j'ai trouvé que ces plateformes ça pour utiliser pour enseigner l'autre bagaille. À le faire plateforme pas pour étudier pour enseigner l'autre bagaille. Mais là c'est moins que mettre, c'est moins le Seigneur bail comme mettre spirituel qui a enseigné. Et puis et où fait ces bagaille ça pas vrai? Et ou prépare ou à l'avance ou rentrer dans disposition ou bien préparation de cœur qui ont préparé l'esprit disposé qui ont préparé l'esprit disposé et cet esprit activé et puis c'est comme ça ou a pu avancer vous allez comme préparer l'esprit disposé cet esprit activé et plutôt m'a avancé dans le nom de Jésus. OK, comme préparer l'esprit disposé cet esprit activé m'a avancé dans le nom de Jésus. OK? C'est ainsi. C'est ainsi qu'on arrive. Eh bien, mes amis, on passe au moment de prière. Et on va passer au moment de prière. Ce fera, mettez, et bagay, combat pour nous, s'il vous plaît. Nous prenons pas son moment. Chaque mercredi, nous avons un moment de combat spirituel. Côté qu'on pral apprendre, combattre. Vous pouvez apprendre, frapper ensemble avec nous. On a passé un petit moment dans ça. Vous comprenez? Et puis, moi, il y a plusieurs monde qui allaient, il y a plusieurs monde qui disent, oh, d'accord, yo là, il y a avancé. C'est ça, on a avancé dans le nom de Jésus
de Nazareth. On rentre dans un moment de prière à chaque moment que nous passons ensemble dans mercredi. Ce n'est pas seulement enseignement, mais on a bien un moment de prière tout pour que nous soyons capables d'avancer dans le nom de Jésus de Nazareth. Ok? Pendant ce faire, après mettre musique là, nous allons mettre nous en position pour nous capables de prier et nous allons prier dans Psaume 144. Côté David dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous en sommes 147. Prends bibou. Et puis, commencez à préparer. Alléluia. 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 Prends bibou. Et puis, commencez à préparer. Yes. Prends bibou. Commencez à préparer. Pour nous avancer dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais faire mon petit intimité. Mettez page là pour moi, s'il vous plaît. Mon petit intimité pour nous capables d'avancer. Alléluia. Et puis, on va faire des prières pour répondre en prime dans le nom de Jésus de Nazareth. Et yes, yes. Mettez page. Yes, yes. Yes, mettez ça pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que la musique l'a balancé? Ok. Voilà. Mais qu'il soit fait. Levez-moi devant mon Dieu, bibou na main. Levez-moi devant mon Dieu, bibou na main. Dis Seigneur, et viens prier ce phare. Levez-moi devant mon Dieu, bibou na main. Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Moi rentrer dans mercredi de guerre. Moi rentrer dans mercredi de guerre. Comme préparé. L'esprit disposé. Activer l'esprit. L'esprit activé. Pour me capable avancer. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. 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 Moi rentrer dans mercredi de guerre. Moi rentrer dans mercredi de guerre. Comme préparé. L'esprit disposé. L'esprit activé. Pour me capable avancer. Au nom de Jésus. Frappe, dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Moi rentrer dans mercredi de guerre. Moi rentrer dans mercredi de guerre. Comme préparé. L'esprit disposé. Esprit activé. Pour me capable avancer. Au nom de Jésus. Frappe. Dis Seigneur, moi rentrer dans mercredi de guerre. Comme préparé. L'esprit disposé. Comme préparé. L'esprit disposé. Cet esprit activé. Pour me capable d'avancer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, moi nous rentrer dans mercredi de guerre. Pendant très longtemps. Pendant assez longtemps. Nous ne pas comprendre cette dimension de l'appel. Nous ne pas comprendre que tu nous as appelés à la guerre. Nous ne pas comprendre à la guerre comme à la guerre. Et en pile dans nos célestes pères. Nous ne pas apprendre pour capable de lutter jusqu'au sang. Et conséquemment, nous ne sommes pas préparés pour la guerre qui est devant nous. Conséquemment, nous ne sommes pas entraînés. Nous ne sommes pas équipés. Mais dans cette saison, tu veux nous préparer. Dans cette saison, tu veux nous équiper pour que nous soyons capables de mener le combat. Pour que nous soyons capables de camper dans la présence. Pour que nous soyons capables d'avancer. Afin que le nom de Dieu dans nos vies capables et bien glorifié. Seigneur, nous reconnaît. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Mais cet héritage que tu nous as donné n'a besoin, alléluia, n'a besoin d'apprendre pour nous soumettre à Dieu, pour nous résister au diable. Et il finira par s'enfuir loin de nous. Seigneur, moi m'en viens dans le nom de Jésus. Pendant peuple à apprendre combat, pendant peuple à apprendre bataille, pendant à apprendre et bien l'art de la guerre spirituelle, moi m'en viens que chaque mercredi, ou capable, moi m'en viens qu'on capable de faire préparation. Adéquate pour chacun de mes frères. Aidez-nous à comprendre l'enjeu du combat. Aidez-nous à comprendre ce à quoi tu les as appelés. Moi, mandez-nous à soi. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pour faible la vie moins fort. C'est pour qui t'es perdu courage à reprendre courage. C'est pour qui t'es perdu espérance à reprendre espérance. C'est pour qui t'es capable, capable de devenir courageux. Que le plus faible de la maison de vie abondante, capable d'encourager la maison de David, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous demandons grâce à parce que pendant trop longtemps, peuple
commence à abattre la retraite. Pendant trop longtemps, il a couru pour Tchiap. Pendant trop longtemps, il a couru pour Lougarou. Pendant trop longtemps, il a couru pour Baka. Et gagné dans faiblesse, dans immaturité, qui même allait chez les marabouts, chez les féticheurs, pour chercher de l'aide, pour chercher du secours. Alors que nous servons un Dieu qui est tout puissant, lui qui est Dieu, qui c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais parfois, nous ne comprenons pas cette réalité. Et parce que nous ne sommes pas entraînés à la guerre, au lieu pour camper dans la victoire, nous avons cherché aide dans les mots qui déjà vécu. Nous voulons demander pardon pour bagarre ça et soya. Et nous demandons dans le nom de Jésus pour capable de nous en présence, pour capable de bâtir nous, pour capable de former nous, pour capable d'équiper nous, pour capable de nous les grâces qui viennent de toi, afin que nous capables d'avancer en homme et en femme sauvés pour l'éternité. Nous déclarer que par grâce nous avons réussi. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Deuxième prière à faire. Amen. L'Éternel dit à Moïse, dit quand à Moïse, et commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Mais qui prie au bras de fer? Au bras de dit, assouéa. 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 Moi campé. Moi campé. Avec autorité. Avec autorité. Bon Dieu, ben moi. Bon Dieu, ben moi. Pour me défendre. Pour me défendre. Tout ça, bon Dieu, ben moi. Tout ça, bon Dieu. Pour me défendre. Pour me défendre. Tout ça, bon Dieu, ben moi. Ça, bon Dieu. Et pour prendre possession de mon héritage. Au nom de Jésus. Dit assouéa, assouéa, moi campé, moi campé, dans autorité et dans identité chrétienne, moi. Dit assouéa, assouéa, côté et la caillou a frappé. Dit assouéa, 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 moi campé, moi campé, moi campé, dans autorité et dans identité chrétienne, moi. Moi déclaré au nom de Jésus, m'a rentré dans héritage, moi, et tout ça pour moi. Au nom de Jésus, frappez, frappez, assouéa, campez dans autorité chrétienne, campez dans autorité, campez dans autorité, campez dans autorité, campez dans autorité, campez dans identité, et déclarer, et pisser sa mort devant Goliath. Depuis ces héritages, you claim them back. You claim them back. You take back what the devil stole from you. Take back what the devil stole from you. You take back what the devil stole from you. You take back what the devil stole from you. You take back what the enemy stole from you. You take back what the enemy stole from you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mais qui donne les prières? Dis Seigneur. Seigneur. Mercredi de guerre en main. Mercredi de guerre en main. Dans programme ça. Dans programme ça. Depuis ces forces qui t'a fait force avec. Depuis ces forces qui t'a fait force avec. Que on tombe. Que on tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans programme ça. Et dans programme ça. Bon moi. Bon moi. Victoire. Victoire. Délivrance. Délivrance. Percée. Percée. Que ou seul capable bail. Seul capable bail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. 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 Mercredi de guerre en main. Mercredi de guerre en main. Mercredi de guerre. Mercredi de guerre en main. Mercredi de guerre en main. Dans programme ça. Dans programme ça. Que toute force. Que toute force. Qui t'a fait force avec. T'a fait force avec. Tombe. Tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans programme ça. Dans programme ça. Bonne victoire. Bonne victoire. Bonne victoire. Bonne victoire. Bonne délivrance. Bam des percées que au même seul cabaye au nom de Jésus. Amen. Frappez, frappez, Seigneur, mercredi de guerre dans mes dans programme ça. Nous demandons c'est pour capable bailler des victoires, des percées, c'est pour capable mener nous côté au même seul cabaye mener nous. Nous déclarer dans mes temps peuple ça, pas des monde qui bloqué. Nous déclarer dans mes temps peuple ça, pas des monde qui pas. Nous déclarer dans mes temps peuple ça, pas des monde qui pas développé. C'est pour avancer dans mes temps semaine. C'est pour
favorisé dans toute dimension, c'est propercé dans toute dimension, parce que avec le cette bras de chair, mais avec nous, c'est le bras de puissant, c'est le bras de puissant, c'est le bras de puissant, Seigneur mon Dieu, qu'aimez nous la présence, qu'aimez nous présence, c'est où pour nous, merci pour soyez, merci pour fait, merci pour grâce, merci pour bénédiction, merci Céleste Père, pour tout le monde que l'ennemi a été ennemi a été barré, que vous avez libéré. Merci Seigneur pour tout captif qui est en libéré et à soi, demandé une prémisse de vous délivrer, une prémisse de vous libérer, une prémisse de vous racheter, une prémisse de mercredi de guerre. Faites pour nous, mon Dieu, faites pour nous que la petite toujours une force, que la petite toujours une victoire, que la petite toujours une délivrance dans le nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Put us back for five. Put us back. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. En vérité, gain mon Dieu. En vérité, gain mon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, assoya, mes amis, nous introduit et de façon formelle, tant que nous avons pour nous passer ensemble. Et nous ne connaissons pas pour combien de temps nous là, mais le Seigneur fait nous grâce tout autant que nous là. Nous avons mené combat, nous avons enseigné, nous avons préparé et nous avons suivi la direction que bon Dieu avait à nous jusqu'à ce que, alléluia, nous avons arrivé côté bon Dieu voulait nous arriver pour la gloire de son nom. Nous content pour nous être ensemble avec vous. Nous disons merci au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Céleste Père, nous te louons, nous bénissons ton nom. Merci pour la façon où tu enseignes nous à soi, où tu animes nous pour l'enseignement. Côté activer nous pour l'enseignement, que nous sommes capables de glorifier, que nous capables de bénir Sœur Farah, bénir le corps mental, physique et spirituel, bal force Seigneur pour ne pas jamais décourager, pour capable toujours avancer, et nous dans la vie là va glorifier. La maison est entre tes mains, les enfants sont devant toi, tout ça que nous avons en main, continue de bénir nous et bénir frère nous à Sœur nous à soya. Que grâce au reposer sur eux, et nous pas de suspendre prononcer bénédiction ça sur la vie, jusqu'à ce que la va joindre total accomplissement, selon qu'il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, amen. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Mes amis, on a avancé, m'a rappelé nous que n'a arrivé, n'a avancé rapidement, n'a avancé rapidement mes amis vers la convention annuelle. Mes amis, s'il vous plaît, rendez-moi service monde qui peut courir les madame Marie Terville, nous pas grand pile place qui était. Faites tête madame Terville chaud pour moi s'il vous plaît et parce que m'ta prémé une si tant yon ou deux semaines encore, pour ti place qui rete yo, pour nous finir ensemble avec yo, pour nous finir, convention, c'est du 18 au 21 juillet de cette année, si Dieu le veut. Donc, du 18 au 21 juillet, et rendez-vous, c'est dans la cour West Palm Beach, que lié dans la convention, deuxième convention annuelle, nous, deuxième convention annuelle, du 18 au 21 juillet, s'il vous plaît, rele madame Marie Terville, dans numéro ça, 954-740-2377, 954-740-2377. L'autre bagarre m'a dit, mes amis, on prend habitude, like the page, like the page. Ou l'on recevra un enseignement comme ça, un enseignement dans mouel, dans zizier. Hein? L'on recevra un enseignement comme ça, un enseignement dans mouel, dans zizier. Et pas tant c'est moi pour d'où, like the page. Si bouton pour ça, là, pesez-le, j'aime dire nous ça, l'on fait ça, ça a changé l'algorithme et ça permet que eh bien gon moun yo sollicite avec vidéo ça qui capable aider donc la bon pour moun. Donc pas oublier non mes amis, faites ça s'il vous plaît. Donc like the page, on fait ça kounya, like the page pendant madame Didi a rempli ministère pour la domi. Donc just like the page et puis tu m'a fait dire oh, you ready Didi? Let's go. 1 2 go. You have to look at the camera. Look at the camera. Not this here. Yeah. Yeah, the camera. No, no. The camera right there. This is the camera. Look at the camera. Let's go. 1 2 go. Oh! Not there, Gigi. The camera. 1 2 go. Oh! Thank you, Jesus. Thank you. Amen. 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 Mes amis, pas oublier, non?
like the page, mon yo, relay Madame Terville, like the page, ok, relay Madame Terville, like the page, et rendez-vous nous, fixé pour demain matin, si Dieu veut, dans matin avec Dieu. Et pas oublier dans matin, on a seulement dit bon Dieu merci. On a dit bon Dieu merci pour ça le fait pour nous, 40 jours, et puis les amis, on a bataille. Donc, on a passé un moment ça dans la présence de bon Dieu, pas avec ensemble. Et puis, pas oublier mes amis, samedi, si Dieu veut, son bagage spécial. Donc, pour la première fois en dans le ministère, on a gagné, et c'était mois passé, nous avons gagné mesdames, pas vrai, nous avons gagné mesdames, moi ça, troisième samedi, moi ça, n'a bien monsieur, pas vrai, monsieur, donc son programme des hommes, pour programme des hommes, côté monsieur, il y a à l'honneur, on prend le samedi demain, donc le monde qui a prêché, c'est frère Yves Ménard qui a prêché, pas vrai, adorateur, n'a bien rien pour saison, dans le moment, c'est frère Yves, ancien Yves, mon cher, et même dit ancien Yves, mon cher, c'est ancien Phipps, mon cher, qui a adorateur dans la saison, et tout, toute la triée, garçon, homme de Dieu, bon Dieu, il va là pour capable assister nous. Donc faites des plans pour samedi, si Dieu veut, pour capable répondre présent dans le programme, non, qui a fait un service du samedi soir, qui fait à 5h pour arriver 7h15, 7h30. Donc faites plan pour capable ensemble avec nous samedi soir, si Dieu veut. Donc pas oublier nous, son bagage spécial, moi-même ou même madame, m'a demandé pour Marie, un traitement spécial. Madame, Bamaro, un traitement spécial. Ou même qui ont fiancé, ou bien qui ont petit ménage, et montrer appréciation, affection, ou pour qu'on marie, gain limite, ou pour qu'on arrive. Ismaël, ça va m'a parlé, mon frère, ou pour qu'on marie, Isma, gain limite, ou pour qu'on arrive, pas vrai, mais pour nous marier, nous sommes capables de franchir les limites, et nous sommes capables de dépasser les bonnes. Vous comprenez? Et toute dimension, nous sommes capables de rouler la pierre, rouler Roche-là, vous comprenez? Et rouler Roche-Jéricho, nous comprenons tout ça, me l'a dit. Vous comprenez? Donc là, pour le moment, béni à la gloire du Seigneur. Tchoulo, m'a besoin pour Tchoulo, bah, madame, notre traitement normal. M'a besoin pour frère Manès Kader, bah, madame, notre traitement normal. Un traitement plus que ça qu'on a habitué à l'ordinaire. Vous comprenez? M'a besoin pour tout messieurs via Bolotio. On prend pour Andy Pierre, ou les Ricardo Trois-Villes. Ah oui, ah oui, on prend les Pierre Pasteur, on prend les Job Damassou, pour on prend pour mesdames, un traitement à toute bouline, à toute allure, vous comprenez, et ainsi, n'a pas content, n'a pas dans la joie. Mes amis, Bible a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Yon n'a pas gagné dans Pasteur Johnson, m'a bon gros l'évangile dans Wello, et en même temps tout, m'a pris l'axe, bon Dieu, vous m'avez venu la joie, vous comprenez, n'en façon pas avec tempérament, je fais mon travail, et toute la gloire à Dieu et à Dieu seulement. Donc, pas oublier bagaille ça, mes amis. T'en prie, relève Madame Terville Mounio, et pas descendre là sans qu'on pas bail, on t'y like, et ça, elle va aider nous. Et puis tout, moi, Rose Esteban a des contents. Il dit, tu l'as chéri, où t'en bon, tu l'as travaillé dans Meli. Et m'a demandé pour faire Phèdre. On prend, passer mes doucement, en façon inhabituelle. En bien, dans tête, madame, ce Marie Magali Phèdre. Ouais, ce Marie Magali et Joseph. Je pense que ça fait mon nom content. Mes amis, toi, causer la guerre, mon nazé. En bien, bon, allez, non. Bon, quitter ça, non, mes amis. En attendant que nous rencontrions demain, si Dieu veut, nous la guérons dans deux plans, mes papa, bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci pour ce Farah qui a assisté. Nous, que bon Dieu bénisse ce Farah et que bon Dieu bénisse Simon. Passez une agréable soirée. Rendez-vous à casser pour demain matin. Pas oublier. Bon Dieu, remercie. Nous remercions tout. Bye bye.